Wow! Some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! Hey, wait a minute, Rick, I thought this was a commercial, what's going on? I mean, don't worry about it, let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial! Bonjour tout le monde, bonjour, ici Foals, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche. En ce dimanche 7 mai 2023, comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes fin, prêt pour discuter en fait tout simplement? Ce sera un live vachement chill. Chose promis, chose due, hein, je vous ai promis le live aujourd'hui, je le fais. J'ai à peine terminé de manger, je mange à cette heure-ci. J'ai fait un gros ménage, enfin j'ai commencé le gros ménage de printemps de la maison. Vous entendez encore la machine à laver, je lave les rideaux, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le bordel. J'épargne les détails, etc., etc. Mais bon, disons que j'ai passé plus de ma matinée pour faire le ménage et pour me dépêcher pour pouvoir vous proposer un petit peu de contenu. Alors ce live n'est pas sponsorisé, hein, j'annonce, il n'est pas sponsorisé par Red Shadow Legends. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas sponsor. Hein. Je le fais de moi-même, hein, je le fais de ma propre initiative. Je le fais parce que le jeu me plaît et parce qu'aussi ça a été demandé. Puis on avait passé un super moment, rappelez-vous, la dernière fois quand on avait fait justement le live sponsorisé sur ce jeu, sur Red Shadow Legends.
On avait passé un super bon moment. Enfin, j'ai passé aussi un super bon moment. On avait quand même passé plus de 6 heures. J'étais assez surpris. Je pensais qu'on allait faire genre 2-3 heures, histoire de. Et en fait, il nous a complètement vampirisé. Et là, j'ai envie un petit peu d'avancer. Parce que j'avance hein, sur Edge Shadow Legends. Mais il n'y a pas. Je joue beaucoup. En parallèle, je suis déjà niveau 30. Et voilà, j'ai envie un petit peu de continuer. De continuer l'aventure. Mais continuer l'aventure, bah du coup, avec vous, à vos côtés. Voilà, voilà, let's go. Voilà, ça va, le son n'est pas trop fort, ça va. Ça va, parce que le son n'est pas trop fort, donc du coup, voilà, vous pouvez voir hein, ma puissance, etc., etc. La puissance, oh, ce qui est musclé. Ce qui est musclé. Alors, on récupère les gemmes. Alors, j'ai amélioré ma mine, hein, je l'ai mis en niveau 2. J'ai mis un niveau 2 comme ça, du coup, on obtient des gemmes. On obtient des petites gemmes. Alors, le lot mensuel, bien évidemment, les pubs. Ah, ASMR, machine à laver. J'ai fait un petit peu des games. Là, j'ai mis un champion, justement, qui est en train d'XP. Voilà, qui est en train d'XP. Concernant les champions, parlons-en. Les champions. Tac, je vais déplacer la cam. Je vais la mettre là. Je vais la mettre ici, la cam, ouais, non, quoi que je la remets là où elle était. Voilà, tant pis, bon, vous aurez la liste, vous allez avoir la liste. Donc nous avons, en premier, nous avons KL de niveau 50, avec un petit stuff, pas piqué des hannetons, qui a une particularité. Ce stuff, il est toxique, il a 75% de chance de placer un debuff de poison de 2,5% pendant 2 tours. Ça, c'est vraiment pas négligeable. Je n'ai malheureusement pas d'amulette pour lui donner, si ce n'est que j'ai une bague. Mais voilà, la bague, c'est fait. Ensuite, nous avons Ronda. Nous avons notre bonne vieille Ronda. Qui, je rappelle, ils sont en XP max, hein, voilà, au niveau des étoiles. Kael, je l'ai poussé au niveau 6, 6 étoiles, étoiles violettes. Nous avons Ronda. Ronda, héros de type légendaire. Pour lequel je lui ai mis, voilà, je lui ai mis un petit stuff un petit peu équilibré. Donc à voir un petit peu en fonction du farming de stuff, ce qu'on peut lui mettre pour pouvoir bénéficier de bonus. Mais en tout cas, Ronda, dans l'ensemble, c'est un très très bon perso, vraiment assez régal. Furie glaciale, j'aurais bien aimé avoir l'habillage Furie glaciale, mais je ne l'ai pas, c'est pas grave. Nous avons ensuite le troisième, Samson, le pilon. Donkey Kong, bien sûr. Toujours pareil avec un stuff un petit peu aléate. Nous avons un double jeu, donc un jeu de PEV. Donc on gagne plus 15% en PV. C'est vraiment... voilà, je n'ai malheureusement pas d'accessoires à lui donner. Je peux lui donner une glyphe, par contre. Je vais lui donner une glyphe d'attaque. Je ne peux pas donner les glyphes. Alors, je ne peux pas encore les donner. Tant pis, on découvre encore, je découvre encore le jeu, je suis pas encore pointu. Ensuite, troisième personnage, je suis très content de l'avoir débloqué. C'est la chamane de niveau 40. Un héros épique, mais surtout la particularité qu'a la chamane. Vraiment, et je vous conseille de la mettre dans votre équipe. C'est sa capacité à ressusciter. Elle raise les persos. Ça, c'est très important. Vraiment très important. Stuff, pareil, un stuff un petit peu aléatoire avec un bonus de vitesse, plus 12 de vitesse, plus 12%. Et nous avons aussi notre dévot de lumière. Lui, pareil, un stuff un petit peu aléatoire aussi. Il va falloir que je lui change l'arc, par contre. Je vais lui changer l'arme. Je lui avais mis de la défense. Mais je pense qu'on va lui mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Et salut Tizix, comment ça va? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à notre dévot de lumière? Je crois qu'on a un vol de vie, j'ai envie de lui mettre une épée vol de vie. Allez, on va améliorer. Hop là, on va faire améliorer au niveau 8. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Hein. Ça va. On a interrompu du coup le ménage de printemps pour pouvoir faire un petit live quand même. Parce que sinon le ménage je le ferai toute la journée. Je décale le fignolage du ménage à demain, ça va, c'est pas pressé non plus. Mais du coup voilà, on peut se faire un petit live.
Donc voilà, hop là, niveau 8. On améliore un petit peu. Tac, voilà. On va lui mettre cette épée. Et là, non, on n'a pas de jeu. Merde, on n'a pas de. On gagne pas de jeu de. Dommage, c'est pas grave. Peut-être gants. Est-ce qu'on a des gants? Ouais, on a un gant assez. Non, pas ce jeu. Et coucou Didi, comment ça va? Mais si, un petit peu de raid. Ça fait longtemps. Mais putain, oh putain, mais de merde. Mais il est cool, franchement, il est vraiment cool ce jeu. Là, c'est pas sponsor, hein. Il y a zéro sponsor, hein. Zéro sponsor, comme je dis. Là, je le fais vraiment par plaisir. Je le fais par plaisir. T'as live combien de temps? Je pense que je vais live jusqu'à 5h30 à peu près par là, ouais. 5h, 5h30. Ouais, à peu près. Pardon hein, pour la SMR machine à laver. Je m'en excuse. Voilà, je vous dis, je suis en plein ménage de printemps. Là, je fais les rideaux. Là, j'ai nettoyé les rideaux, j'ai nettoyé les vitres. D'ailleurs, hop là, vous voyez, il n'y a plus le rideau. Et la vitre, elle est tellement nettoyée qu'on voit à travers. On voit à travers, on dirait qu'il n'y a pas de vitre. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Bon, ça, tu as raison, t'en écoutes. Ouais, non, mais je veux là, oui. Le dimanche, on peut se permettre. On peut se permettre des amplitudes un peu plus longues. Tac, voilà, je vais lui mettre ses gants. Donc, il en faut 4. Hein, il faut un jeu de 4. Mais je n'ai pas de casque. J'ai pas de casque et j'ai pas de bouclier. En vol de vie. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons notre basilic de niveau 40. Pareil, il faut que je le restuff. Faut que je lui remette un petit peu de stuff à notre basilic parce que là c'est dégueulasse. Dégueulasse à souhait. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en attaque et qu'est-ce que j'ai comme corset que je pourrais lui proposer? Alors là les bottes elles sont pas mal. Basilic. On peut faire par exemple de la résistance. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? On a un casque dégueulasse, on a un bouclier dégueulasse. Je peux lui mettre ça, un hébètement, 25% de chance de placer un debuff de sommeil, ça peut être sympa. En plus demain c'est férié, donc c'est encore plus cool. Exactement, c'est vrai, mais moi c'est, en fait, moi ça me fait un petit peu chier que ce soit férié. Parce qu'en fait ça tombe un lundi, et moi le lundi je ne travaille pas le lundi, donc du coup en fait là je perds un jour férié. En fait, parce que je ne travaille pas, donc moi ça me change pas. Ça change rien, mais par contre, je perds un jour. Ça me fait un petit peu chier. Alors, 25% de chance de placer un debuff de sommeil. En sachant qu'on a une arme aussi qui peut sommeiller, ça peut être intéressant. En vrai, ça peut être intéressant. Pour le basilic, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une régénération, sachant qu'il est un peu en mousse. On peut lui mettre ça. Ah oui, non. Ah d'accord, donc c'est 4 artefacts en jeu. Ah merde. Merde, non, ça c'est 4 artefacts en jeu. 25% de chance, d'accord, merde. Merde. Oh merde. Détruit le PV max. Il faut vraiment regarder le stuff. Hein. Les représailles. J'en ai gagné un, hein. j'ai gagné du loot. Mais quoique non, vie divine, je ne vais pas lui donner. Il gagnerait en PEV, hein, mais jeudi et vendredi dans 2 semaines, il n'y a pas cours ni travail, on va se mettre bien. Oui, c'est vrai, jeudi et vendredi dans 2 semaines, c'est vrai. C'est vrai, j'ai posé mon vendredi d'ailleurs. C'est vrai, bien vu. J'avais oublié. Merci de me le rappeler. C'est vrai, oui. Putain, là, on va se mettre bien. Ténacité. 2 artefacts en jeu. En sachant qu'il faut que je change les 2. Ça peut être pas mal. On va les améliorer. Tac, on va les améliorer en niveau 8. J'ai de la moula, donc ça va, c'est cool. Donc ça va, c'est vachement bien. Ce jeu, par contre, ce jeu, c'est fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Ça te vampirise, ça vampirise ton truc, ton temps, c'est un truc de fou. La parade vivace, t'as une arme légendaire si tu veux. Ouais, je vais la mettre. On va voir sur quel perso on peut lui mettre. Parade vivace, on a une arme légendaire, je vais voir à qui on peut la mettre. Peut-être qu'on va lui mettre, ça peut être pas mal. Tac, on va lui mettre ça, on va lui mettre les gants.
J'essaie de farmer beaucoup d'équipements pour pouvoir équiper tous les personnages et se faire vraiment un turnover de personnages. Donc là j'essaie vraiment de monter à bloc les personnages pour avoir, on va dire, une équipe, à peu près une équipe type entre guillemets, et voir si je peux rajouter d'autres membres à cette équipe. Allez, on va l'améliorer un coup là. Voilà, hop là, hop, on équipe. Voilà, donc là il va avoir le bonus, il va avoir le buff. L'arme, carte 4 artefacts en jeu. Allez, let's go, on va l'améliorer. Je vais faire mes donjons du dragon pour mettre bien un artefact. Ah ouais, comme ça, ouais. Je vais faire mes donjons du dragon, ouais. Là, j'ai vu aussi, on a bien avancé sur le boss de clan. Ça, c'est très bien. Je vous remercie d'ailleurs. C'est bien, comme ça, au moins, on monte. On monte bien. Ça nous permet justement de bénéficier un petit peu de loot. Ça, c'est cool. Il gagne en PEV, hein. Il va gagner. Oh putain, bon, il va gagner en PEV. Là, on le met bien, là, le lézard. Alors, il manque la tête. J'ai envie de lui mettre une perception. Ah, mais je vais perdre. En vrai, je vais perdre, non? Comme ça, on réduit le charge d'une compétence aléatoire. Donc là, je perds 229, mais si j'améliore, 354. Là, ça, c'est pas mal, cette 40%. Allez, tac. On va faire ça. Et après, bien sûr, qu'on va faire, on va faire quand même des petits donjons, là. C'est le but. Mais ce jeu te vampirise ton temps, quoi. C'est un truc de fou. C'est franchement, je pensais pas m'éclater autant sur un jeu comme ça. Vraiment, comme j'ai dit, le problème c'est qu'il souffre, d'une mauvaise publicité. Bon, le casque perception rend normalement ça augmenter tes PV. Ah. Ok. Casque perception. Ah, merde, je l'ai plus. Tac, voilà. Hop là. Ouais, bah il est pique. Bon, on va l'améliorer. T'as raison. T'as raison. Tac, on va faire ça. De toute façon, on est confort. Hein. Franchement, on est putain de confort. Passé un moment, j'avais plus d'argent. Hein. Passé un moment, j'avais plus de thunes. Hein. Mais avec les quêtes, etc. Et les quêtes plus ces donjons, les sous sont remontés, mais à une vitesse. Allez, hop, niveau 12. C'est remonté. J'ai rien compris. Ah ouais, quand même. Allez, encore deux coups. Et si c'est pas améliorable, on laisse tomber. Allez, bâtard. Là, on fait. Yeah, let's go. Non. J'ai mis clic. Allez, plus 12. Tac, on équipe. Voilà. Donc là, il nous faut un bouclier, là. Un bon bouclier épique, là. Tac, 8. Voilà. Là, notre lézard. On va le mettre bien, notre lézard. On va le mettre vachement bien. Là, le lézard, il va être pas mal, hein. En sachant qu'il il est bien comme personnage, c'est qu'il se il se raise. Il se raise dès qu'il meurt, il se raise. Ça, c'est cool. Ensuite, nous avons notre Kittis de niveau 40. Bon, au niveau du stuff, je les avais refait il y a pas longtemps. Et enfin, nous avons la tueuse incarnate. Pareil, j'avais refait un petit peu le stuff. On n'a toujours pas de bague pour elle. Ensuite, j'ai eu un nouveau Juliana, niveau 22. Que j'ai mis de côté, je suis en train de la préparer. D'abord, je prépare la tueuse incarnate et ensuite, après, on la fera débarquer. Alors, on la fera débarquer. Et nous avons aussi quelques menus perso. 3 étoiles. Bon, ils sont rares. Hein. Ils sont pas terribles. Pas terribles. Mais à voir ce qu'on peut faire. À voir ce qu'on peut faire avec eux. Elle, je sais toujours pas ce que je vais faire de Elaine. Vraiment, je sais pas ce que je vais faire. Perso,
Je le trouve un petit peu aux F. Tu as touché la moula au fait. Alors je la touche normalement à la fin du mois. Mais ça a été validé. Ça a été validé par Red. Ça y est, ça a été validé. Je vous remercie d'ailleurs, ça a été validé. L'opération a été validée. Donc ils sont plutôt satisfaits, ils sont plutôt contents, moi aussi d'ailleurs. Et du coup ça ouvre à de nouvelles perspectives de collaboration. Et ça c'est vachement cool. Moi je vais essayer de pas vous en proposer une par mois non plus de collab. Mais après non, il faut voir les collabs. Il faut voir les collabs aussi. Il faut voir, faut voir la gueule des collabs. Mais une de temps en temps, si ça vous dérange pas. Voilà quoi. Allez hop là, on s'enregistre pour avoir justement le coffre de clan. Le clan qui, je rappelle, est toujours, toujours là. Hein. Toujours là, on est bien, on est nombreux hein, dans le clan. Dans le clan de la commu chevelue. N'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous jouez à Red Shadow Legend. N'hésitez pas à venir. Voilà, et n'hésitez pas à prendre aussi des quêtes de clan. Alors les... C'est top 5 ou plus, victoire uniquement. Ouais, donc ça, j'arriverai pas. Les quêtes, elles sont costauds. Même si c'est, on va dire, basique, c'est vachement costaud quand même. C'est assez costaud. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce qu'on a du loot à récupérer? Est-ce qu'on a quelque chose hein? Est-ce qu'on a quelque chose de cool à récupérer? Voilà, on a 50k d'argent à récupérer, 50 d'énergie. Un charme de type x5. Let's go. Ça va, le jeu nous met bien, hein. Franchement, le jeu à chaque fois, il nous met bien. Paf, récompense. Paf, récompense. Tournoi, allez hop, notification, boum, récompense. Chaque fois, en fait, on est récompensé, quoi. C'est ça qui est extraordinaire avec ce jeu. C'est toujours récompensé, t'as toujours des petits trucs, quoi. Il y a toujours des trucs qui arrivent. Là, je vois qu'on peut crafter des trucs. Non, on peut pas crafter. On peut crafter de la perception. Comment on peut les obtenir? Piercent. Du coup, on peut obtenir du 5-6. On va essayer d'obtenir de la pierre 100, mais je sais pas comment on peut obtenir de la pierre 100. Alors j'ai essayé un petit peu là, les gardes de faction, ça aussi c'est ultra casse-couille. Ça c'est taux de glyphes. Ah voilà, ok, d'accord. Ouf, ok, donc ça c'est un truc légendaire, un loot légendaire. Ah ouais, donc légendaire, ouais d'accord, je l'obtiendrai uniquement là quoi, ok. C'est fourni des matériaux, ouais, on fournit des matériaux rares. Donc, j'aurais même pas de matériaux épiques. Ouais, donc on peut laisser tomber. Forme donjon du Minotaur quand tu peux avoir des parchemins pour monter des stats supplémentaires. Ah, let's go, on va aller faire ça. On va aller faire ça. Donc, du coup, bah, le 5-6, on laisse tomber. Hein. On va fabriquer ça. Un casque, allez, on récupère. Tac. Ce qui est bien, c'est qu'après on peut vendre aussi, on peut vendre les loot. Perception, garde, et je peux plus crafter. C'est pas grave. Donc on va aller dans le labyrinthe du Minotaur. À niveau 50. Aïe aïe aïe. On va faire ça, on va faire une étape 7. Du coup, pour augmenter les stats supplémentaires, alors on va mettre le basilic à la place de lui. Voilà, on va faire. Pour commencer, on va faire comme ça. Et c'est bien, c'est qu'en plus, on se met en auto, tranquille et mille. Comme ça, on peut discuter, ça c'est cool, on peut pas poter. Et on peut, du coup, admirer nos personnages en train de. Justement, de se battre, de se bagarrer. Ça c'est vachement cool. Alors effectivement le donjon du Minotaur ça va nous permettre justement d'obtenir des parchemins pour avoir un peu plus de compétences, pour améliorer, pour augmenter nos stats. Vachement bien. Mekael avec son stuff poison qui place du poison sur les ennemis, ça c'est vachement cool. Ça c'est
c'est vachement cool. Ça m'a sauvé les miches sur le boss araignée. Ce côté poison là, cet empoisonnement. Ça m'a grave sauvé les miches. Hein. Bon, tu dois aller dans la maîtrise à côté d'artefacts. Yes, yes. J'avais fait déjà. J'avais fait. Je les ai tous améliorés sauf le basilic. Le basilic, je l'avais pas utilisé. Donc il faut que je l'améliore. Donc elle, ça y est, Ronda, elle est à 2 sur 2. Donc ce qu'on va faire, on va faire un multi. Donc on peut essayer le 50. Hein. En vrai, on peut essayer le 50. Hein. J'ai envie d'essayer le 50, on va voir si ça passe. Ça va être chaud time, hein. Ça va être chaud patate. Ça va être super chaud. C'est celle où Ronda, il faut vraiment que je l'améliore. Parce que là, on voit quand même qu'elle se traîne un petit peu la patte. Après, en face, on a des ennemis en rouge. J'ai déjà acheté un pack dans la boutique. Oui, j'ai déjà acheté un pack, ouais. Ben, lors de la sponsor, on a acheté un pack, ouais. Le problème, c'est comme ils sont rouges, ça tape fort. Ça tape fort sur les bleus. Le problème normalement c'est KL qui est en mousse, hein. C'est KL qui est en mousse, mais comme je l'ai renforcé de fou malade là, il craint des gains, quoi. Le KL, il craint des gains. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il empoisonne là, le Minotaur là. Ça pourrait être pas mal. La chamane qui a reste du coup notre perso, ça, c'est de fou malade. C'est de fou malade ça. La chamane, prenez-la dans votre team, améliorez-la. Parce que franchement, la capacité de raise, c'est formidable, quoi. C'est formidable, ça sauve grave les miches. En sachant que le basilic a aussi une capacité de raise, mais il se raise lui. Oui, ça va être t'avais remboursé, mais tu comptes en acheter un autre. Alors pas pour l'instant, on ne va pas en acheter un pour l'instant, mais on verra bien. On verra, mais pour l'instant, non. Je tourne avec ce que j'ai. Ah, let's go, c'est passé. Let's go, c'est passé. Et là, on passe au niveau 60. Le Minotaur niveau 60, c'est énorme. C'est énorme. Allez, hop là, on va aller du coup regarder nos champions. Dans la maîtrise. Il m'en faut 80. J'en ai 2. J'en ai que 2. Ouais, il faut 80. Il en faut 80 dans le coin. Toi, Basilic, est-ce que tu as... Non, tu as rien. Tu as que dalle. Toi, pareil, je t'ai poussé au max au niveau des parchemins. Toi, il t'en faut 80 aussi. Et toi, pareil, il t'en faut 80. Toi, peut-être que... Il en faut 30, merde. J'en ai pas assez pour le dévot. Je crois que le dévot, on l'a dégagé. Allez, on va faire un petit peu de Minotaur là. Le dévot, je l'ai dégagé. Ouais, je l'ai dégagé. Est-ce que si j'enlève et que je mets le dévot, quoi? Sérieux? Je gagne en puissance avec le dévot. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire un multi-bataille. On va faire un multi-bataille comme ça. On enchaîne. Comme ça, c'est bien, c'est que ça s'enchaîne tout seul. Ça, c'est cool. C'est voilà, vous avez quelque chose à faire. Par exemple, vous faites le ménage ou n'importe quoi. Moi, par exemple, tous les matins, quand je me lève, avant de prendre ma douche, je suis aux toilettes, je joue un petit peu à Shadow Legend, normal. Et ce que je fais, c'est que je lance une multi-bataille. Paf, je pose la tablette et je vais me laver. Je vais me laver tranquille. Donc, pendant que je me lave, multi-bataille. Donc, je vais aller... Les persos jouent pour moi, hein, ils se farment, ils farment les compos, tout ça. J'affine un petit peu la stratégie, bien sûr. Parce qu'on peut dire, oui, mais quand même, Fals, tu joues pas concrètement. Si tu le mets en mode auto, tu joues pas concrètement. Alors oui, certes, tu n'es pas maître des actions. Par contre, il faut que tu réfléchisses en amont à la stratégie. Il faut que tu places les bons personnages. Et il faut que tu stuffes aussi tes personnages. Et pour stuffer tes personnages et pour les améliorer, il faut qu'ils aient des points de compétence. Il faut qu'ils aient
du stuff. Ce stuff, bah, c'est bien, c'est que les personnages, voilà, le fait de multi-bataille comme ça en mode auto, ils le font de même. C'est ça qui est cool aussi dans ce jeu, c'est ça qui est vachement cool. Parce qu'au final, il n'y a pas toute cette grosse prise de tête qu'on peut avoir. C'est qu'au final, en fait, tu fais tourner le jeu, tu fais tourner tes personnages. Ça gagne ou ça perd, hein. Attention, hein, c'est vraiment la roulette russe. Ça gagne ou ça perd. Parce qu'il y a différentes stratégies et c'est vachement cool aussi de voir la stratégie de l'intelligence artificielle. Parce que là, tu dis, ah bah tiens, moi j'aurais pas fait comme ça. Donc du coup, au final, tu annules ton mode auto, tu reprends la même. Tu peux annuler le mode auto, hein. Je peux annuler le mode auto là. Ah oui, mais d'accord, là, je suis en multi-bataille, mais je peux annuler le mode auto et reprendre aisément la main pour affiner la stratégie. Ou alors, dis, ok, vous avez fait ce round comme ça. Moi j'aurais pas fait comme ça, donc pour le prochain round, paf, j'enlève le mode auto, je gère le round et au final je vois que ma stratégie était nulle à chier et que la stratégie de l'ordinateur était beaucoup mieux. Et ça arrive assez souvent, enfin moi perso ça m'arrive assez souvent de voir que ma stratégie est un peu merdique. Oh là 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 là. Donc franchement c'est vachement cool. C'est vachement cool avec ce jeu. Franchement voilà, donc du coup, ce qui est bien c'est que voilà, bah du coup voilà, on peut papoter. Tout en farmant l'XP, tout en farmant un petit peu les stats, etc. On peut du coup aisément papoter. Passer du temps ensemble. Ça c'est vachement bien, ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'au final oui c'est un jeu, on s'amuse, hein. Mine de rien on s'amuse quand même. Mais du coup voilà, on voit ce que font nos personnages. Voir aisément ce qu'ils font, c'est assez rigolo. Moi ça me permet de recharger la clope et de nettoyer aussi un petit peu le clairon parce que le clairon est dégueulasse. Hop là, voilà, super nickel. Donc franchement donc ce jeu non, je peux que vous le conseiller, hein. Vraiment je ne peux que vous le conseiller. Merci Chacon pour ton follow. Merci et bienvenue. Donc franchement non, je rappelle hein, je ne suis absolument pas sponsor aujourd'hui. Ce n'est pas un live sponsor. Voilà, je tiens à le préciser. Je le fais par pur plaisir. Je le fais par pur plaisir de jouer à Red Shadow Legend. Bon là voilà, je le fais en live. Mais sinon en temps normal sinon voilà là pendant que je faisais le ménage j'aurais lancé le multi-bataille et j'aurais fait let's go quoi. Donc là ce que je pourrais faire en parallèle je le fais en live. Ouais. C'est pas mal du tout. Et au final putain, on voit la différence quand même au niveau de la team, on voit la différence. On voit la différence, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, donc là Ronda il faut vraiment que je la restuff. Il faut vraiment que j'améliore le stuff. Voilà, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais franchement non, c'est super agréable quoi, c'est super agréable. Vraiment assez cool, puis ouais, ce mode auto, j'adore, bah perso j'adore, vraiment j'adore. Ah, de pas se prendre la tête, de jouer quand même, parce qu'au final on joue, hein. On joue même si, c'est comme si on était sur un balcon et qu'on les regardait. Voilà. Allez-y mes gladiateurs, battez-vous pour moi. En vrai je suis bien artefact, j'ai que des épiques et legs. Allez, les épiques et légendes, allez ouais d'accord.
Non, franchement, le jeu, même de lui-même, le jeu, il vous met bien. De base, le jeu, il vous met bien. Franchement. Vraiment, entre les codes qu'il vous propose, parce qu'il y a beaucoup de codes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des codes, n'hésitez pas à les balancer dans le chat. Mais entre les codes qu'il vous propose, plus tout le reste, c'est même pas du pay to win. Tu peux payer pour avancer plus rapidement. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, effectivement. Si tu veux faire monter tes personnages en mode tac au tac, ouais, tu peux payer. Mais le jeu ne t'oblige pas à payer, en fait. Le jeu ne t'oblige pas à payer. Après, tu peux aisément monter tes personnages de manière tout à fait legit. Hein. Là, les persos, ils montent de manière legit. Hein. Juste, je joue. Je n'ai pas à payer. Tu fais un Pokémon Revo la prochaine fois, Fouals? Bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir pour le Pokémon Révolution. Il faut voir c'est quoi ça online, à voir si ça passe. Ça devrait passer, j'espère que ça passera. Quoique sur les dimanches, on peut se faire ça un dimanche. Par contre, Nini, si ça te dit. Parce que le dimanche, c'est là où j'ai le plus de temps pour pouvoir stream. C'est là où j'ai le plus de temps pour consacrer sur un stream. Et en plus de ça, au niveau de ma connexion internet, la connexion, elle passe mieux. Ça passe mieux le dimanche. Le dimanche, j'ai l'impression que la ligne est moins saturée que le soir. Le soir, c'est là où je vois qu'il y a des pics de connexion. C'est là où la connexion, elle a un peu plus de mal. Tu vois, c'est un jeu quand même qui est online, Red Shadow Legends, on va pas se mentir. Mais après, c'est pas ce qui bouffe le plus de connexion non plus. Mais tous les jeux multi, je les fais le dimanche parce que c'est là où il y a le, on va dire, le plus de bande passante. C'est là où j'arrive à avoir le plus de bande passante. Après, quand tu auras la fibre, il n'y aura pas de soucis. Hein. Quand la fibre elle sera là, il n'y aura aucun problème. Mais avec plaisir pour un Pokémon Révolution. Parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on m'en parle. Depuis le temps qu'on m'en parle, ça serait vachement cool. Hein. Ça serait cool. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, est-ce que demain soir on continue Pokémon Donjon Mystère vu qu'on est hyper coincé, ou on passe à autre chose, ou on passe au Nuzlocke? C'est vous qui voyez, je vous laisse le choix. Moi, sur mon planning, j'ai mis Pokémon Donjon Mystère. Mais c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez qu'on continue PayPal Arena 2023? Parce que là, moi, je sais pas si tu as déjà utilisé. Alors, j'ai jamais utilisé celui-là, PayPal, non. PayPal Arena 2023, je l'ai pas utilisé. On va voir s'il est toujours valide. Hein. On va voir si c'est toujours valide le fameux PayPal. Hein. PayPal Red 2023. Bah ouais, du sel en barre. Ah, vous aimez le sel. Hein. Bon, on va essayer celui-là. Là, je le note sur mon petit calepin. Utilisez-le juste après. Bon, on va essayer voir si ça passe. C'est vrai qu'il y a des codes. Des fois, ça marche pas. Hein. Ça a un peu de mal à passer, hein. Ah là là, donc vous voulez la salière, hein, vous voulez la salière, parce que moi, je honnêtement, j'ai pas envie de rester sur une défaite comme ça sur Pokémon Donjon Mystère. J'ai vraiment envie de le terminer, ce tour de jeu. Mais voilà, c'était pour savoir si ça vous faisait chier les sessions de farm, parce que c'est vrai que le jeu, là, on va rentrer sur une session de farm. Là, on va vraiment rentrer sur la session de farm où il nous faut un coéquipier ou deux si possible pour pouvoir battre Sulfura. Parce que là, je vois que ça. Je vois que ça. Et aussi, on va farmer aussi un petit peu d'XP parce que bon, voilà quoi. Voilà. Comme je sais que les sessions de farm sont longues et c'est chiant pour moi de le faire. C'est chiant pour moi, mais alors j'imagine vous qui devez regarder, c'est pire. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question. Est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse, ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe à autre chose? Mais bon, si vous souhaitez, si vous voulez du sel, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, le sel, je vous le fournis, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Hein. Le sel en barre, vous savez, hein, le sel, c'est ma spécialité. Hein. Donc il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, hop là. Pam palalam pam pam. Alors on en est. C'est quoi Ah merde.
Je voulais voir où. C'est quoi? C'est le niveau 50 ou c'est le niveau 40? Parce que là, c'est niveau 40. Si c'est niveau 50, ouais. Si c'est niveau 40, je vais mettre au niveau 50. Parce que là. Là, j'ai l'impression qu'on se traîne un petit peu la patte, hein. Ouais, c'est le producteur de la baleine bleue. Ah non, mais je pense qu'ils ont, ils doivent avoir. Ils ont déjà dû recevoir un nombre incalculable, on va dire, de semi-propositions de partenariat à la baleine avec des streamers par rapport à ça, par rapport à ce running gag. Mais limite, j'aurais contacté la baleine pour faire une campagne, on va dire une campagne de sponso, mais sponso lol quoi. C'est-à-dire pas un partenariat financier, mais genre s'ils ont des goodies la baleine, qu'on puisse les faire gagner, tu vois, des trucs comme ça. Ça et un live découverte des marais salants là-bas chez eux. Ça pourrait être rigolo, mais je pense que ça a déjà été fait. Les mecs. Les mecs ils s'en battent un petit peu les couilles quoi. Je crois que ça a été fait avec Sardoche. Mais voilà, bon après Sardoche, ouais, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Alors certes il est salé, mais c'est pas le meilleur. En termes de personnes, on repassera. Mais voilà, après. Après voilà. On n'est pas là pour juger. Voilà, voilà, bam, pam, pam. Attendez, je vais voir si ma machine elle est prête. Parce que là, j'entends plus la machine à laver. Autant elle est prête, autant que je vais sortir. On aura tout fait dans ce live, on aura même fait une lessive, regardez, mes rideaux sont propres, incroyable. Il n'y aura plus qu'à étendre les rideaux, incroyable, les rideaux sont propres et ça sent super bon. Les étendre, je crois que j'aurais même pas besoin de les étendre, même je pourrais les remettre. Incroyable. Luciafoil s'attaque pas du tout. Pas du tout, non, Luciafoil, sinon il attaque pas parce qu'en fait j'ai les fenêtres fermées. J'ai les fenêtres fermées. Et en plus, Luciafoil, ça il pourrait se faire avoir. Il pourrait se faire avoir. Parce que les fenêtres, je les ai nettoyées. J'ai fait le nettoyage. J'ai commencé mon nettoyage du printemps là. Là vraiment le gros nettoyage. Là il faut que je finisse. Demain matin, je fignolerai un petit peu le ménage, là, un petit peu la poussière par-ci par-là. Regardez quoi, tes slips. Mais c'est pas mes slips. Bah, Nini, c'est pas mes slips. Enfin, Nini. Bah, Nini, quand même. C'est pas des slips. C'est des rideaux. C'est des rideaux, regarde, c'est des fantômes. C'est des cosplays fantômes. Oui, t'as ta bêtise. Regarde, c'est. C'est des rideaux, regarde, si j'avais un slip avec un pompon au cul, je me poserais la question, hein. Je me poserais la question. C'est mes rideaux. C'est mes rideaux pour les fenêtres et pour la porte vitrée. Aïe aïe aïe. Nini qui veut voir mes slips. Non, mes slips ils sont là-bas, mes slips. Mes slips ils sont étendus. Ça y est, je les ai nettoyés aussi ce matin. Là, j'ai frotté parce que comme j'avais joué à Phasmophobia, il y avait des traces de caca dessus. Alors j'ai frotté. Et c'est bon, ça y est, ils sont tout propres. C'est bon. Mais non, c'était mes rideaux. Ah là là. C'est les rideaux, voilà. Comme j'ai commencé à faire un petit peu le ménage de printemps. Donc du coup, Luciafoil, il pourrait limite se prendre la vitre dans la gueule. Dégueulasse. Elle est tellement propre la vitre que Luciafoil, s'il la verra pas,
et il peut se cogner dedans, il peut la prendre. Mais s'il la prend dans la gueule, ah, je lui fais nettoyer la vitrape. Parce que merde, attends, j'ai nettoyé. Hein. J'ai nettoyé. J'ai, d'ailleurs, on a essayé un appareil, c'est ma grand-mère qui l'a acheté. Là, le Karcher, là. Le Karcher pour les vitres, là. Bah c'est un petit peu ça marche mais pour les vitres sales, alors pour les vitres sales, parce que bon, pour les vitres, on va dire les vitres vachement sales, j'ai presque un an que je les avais pas nettoyées à peu près. Je les fais une fois par an ou une fois tous les 6 mois à peu près. Ouais, donc j'ai fait à peu près une fois tous les 6 mois mes vitres. Là ça faisait un peu plus avec les puits sales, tout ça. Elle était vachement pourrie, ma vitre, elle était pourrie, mais ça va. Du coup avec le machin Karcher, bah c'est trop bien. Ah, j'ai dû y repasser dessus quand même. Hein. J'ai dû y repasser, et encore là sur les vitres sales. Ok, mais sur la vitre là-bas, qui a quasiment rien à faire, j'ai dû quand même y repasser parce qu'il y avait quand même des traces. Ça laisse quand même des traces, quoi. Ça laisse quand même des traces. C'est-à-dire, alors, c'est une espèce d'aspirateur, la Karcher aspirateur. C'est même pas toute vapeur. Hein. Ils se sont dit, ouais, le machin vapeur. Non, d'abord, tu pchites avec le pchit. Tu vas voir. Là, je lui ai acheté là, sur Amazon. Je lui avais acheté ça sur Amazon. Elle m'a dit oh, là, je veux et tout. Donc, du coup, j'ai commandé. Elle l'a reçu et elle m'a dit tiens, essaie-le pour chez toi. On verra comment ça marche. Donc, toi, c'est ce machin là. Ah putain, ah, mais c'est mouillé. Ah ouais, par contre, c'est mouillé dessous. Ah ouais, merde. En fait, t'as le petit. T'as une espèce de bidule là. T'as les bidules avec le spray. Là, tu mets l'espèce d'éponge là-dessus. C'est ça que j'ai nettoyé. D'abord, j'ai passé à la machine à laver. Là, tu mets ça. Tu plaque. Bon, il faut bien le mettre. Hein. Hop là, voilà. Ah non, c'est le truc de vapeur. J'ai testé. Ah ouais, non, ça c'est pas le truc de vapeur. Ah, tu fais pchit, 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 pchit. Ça, ça fait pchit là. Toi, ça pchit là, par là. Ça, avec le produit, puis hop, tu. Merde. Il y a encore de l'eau. Et hop, tu nettoies. Et tu nettoies. Mais c'est pas le truc de vapeur. Je pense qu'elle s'est trompée en fait. Je pense qu'elle voulait le truc de vapeur. Et après tu passes ça, tu vois, tu passes la machine là. Tu passes la machine là, tu mets le balai que tu veux là. Tu mets le balai là. Clac. Et hop. Et hop, tu passes à hop comme ça. Et en fait, là entre les deux, en fait, ça là, il y a l'eau. Et en fait, l'eau est aspirée dans le contenant là. L'eau est aspirée dans le contenant. Donc du coup, en fait, ça hop, ça aspire. Ça aspire toute l'eau. Mais le problème, c'est que ces petits machins en caoutchouc, bah, ça laisse quand même quelques petites traces. Ça laisse quelques petites traces. Donc une fois que t'as fait ça, une fois que t'as fait, on va dire, le plus gros, bah, ça fait le plus gros. Hein. Par contre, ça fait le taf, il n'y a pas de problème. Mais par contre, une fois que c'est fait, bah, il faut repasser un petit coup. Il faut repasser un petit coup. Donc du coup, je repasse un petit coup dessus. Je me dis, putain, c'est pas trop pratique. C'est pratique, oui. Oui, dans un sens, oui, clairement, oui. Mais voilà, un peu chiant, quoi. Un peu chiant sur 20, mais c'est pratique. Chiant sur 20, mais pratique. Et salut Gabrieline, salut. T'es lâché, il nous fait une démo. Bah oui, mais je te montre, Nini. Je te montre le truc. Parce que je me doutais que ce que tu avais, c'était le super truc vapeur. Bah, je m'en doutais. Hein. C'est ça la vie de riche. Hein. C'est ça les riches. Hein. Les riches, on les reconnaît avec les machins vapeur. Voilà, nous on est des petits prolos. Nous on a des petits machins là qui aspirent l'eau. Hein. Voilà. C'est le Karcher du pauvre. Tu vois, c'est le Karcher des prolos. Hein. Tu vois, voilà, c'est... J'ai pas, mais j'adorais l'avoir. Mais j'adorais l'avoir. De quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas? Celui-là? Ah, celui-là, alors c'est très simple. C'est
c'est 50€ sur Amazon. Malheureusement, je ne peux pas vous fournir de lien. Avant, je pouvais, maintenant, je peux plus. Parce qu'Amazon a refusé le renouvellement du partenariat. Mais sinon, j'aurais pu vous donner un lien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Monsieur Pain me dit à la main, à lui de coude. De quoi, l'appareil comme ça ou le vapeur? Parce que tu nous as dit que tu as le vapeur. Ou alors tu l'as testé, ou alors tu as testé le truc vapeur. Le Karcher vapeur. Ah, le Karcher vapeur, d'accord. Non, parce que ça, c'est quand même un petit peu l'huile de coude. Alors c'est bien, c'est qu'avec le petit pit et l'éponge par-dessus, hop, tu nettoies bien, tu mets le produit, tu nettoies, là, pip, et pop, 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 et après, hop, et ça aspire toute l'eau. Ça, c'est pas mal, c'est vachement cool. Mais par contre, ça laisse quelques traces. Il faut y aller progressivement, faut pas y aller comme un bourrin non plus. J'y suis allé comme un bourrin, j'aspirais mes fesses, mes fesses emballées dans du papier alu. Hein. J'aspirais que dalle. Il faut y aller vraiment progressivement, faut y aller doucement. Et après, faut pas hésiter à repasser un petit coup de chiffon par-dessus pour enlever les traces, parce qu'il y a quelques traces. Voilà, ça laisse quand même quelques traces. Mais après, dans l'ensemble, les vitres, vous voyez, les vitres, elles sont nickel, quoi. Elles sont nickel. Et ça coûte une 50aine d'euros. C'est pas mal. Et du coup, là, argument de choc pour monsieur, c'est 90% d'huile de coude. Si ce n'est pas 100% en huile de coude. Voilà, donc là au moins. Mais par contre, le vapeur, je serais curieux de le tester. Je serais clairement curieux de le tester, l'appareil vapeur. Ça, par contre, ouais, je serais super curieux. Mais du coup, c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Mais ouais, c'est ce qui m'a pris la matinée et le début d'après-midi. Donc, du coup, j'ai mangé à 2h. Voilà, j'ai mangé à 2h pour être en live à 3h. Ouais, 2h30, 3h. Oui, il dit que le produit bleu coûte moins cher. Ah oui, ah ben, le produit bleu il coûte moins cher, c'est clair. Mais après, quand tu vois le chiffon, tout ça, patin couffin, ouais, c'est. Ouais, le chiffon, une fois que t'as fini les vitres, le chiffon il est tout pourri, faut le laver. Bon là c'est pareil, hein, le chiffon une fois qu'il est fini, tu le mets à nettoyer. Mais par contre, ça, dis-lui que ça fait... Le problème c'est que le chiffon, tu vas vite l'utiliser. Moi j'utilise pas du chiffon, moi j'utilise du sopalin, donc c'est encore mieux. Moi le sopalin, j'en utilise des pleines boîtes. Si j'ai pas... sans ça, j'en utilise des pleines boîtes pour les vitres. Mais par contre, tu vois, le chiffon, une fois que tu as fait tes 2-3 vitres, ton chiffon est dégueulasse. Mais admettons, tu en as 8 ou 10 vitres à faire. Il va falloir que tu changes de chiffon. Il va falloir que tu le mettes au sale et que tu sortes un propre de chiffon. Surtout que j'ai de grandes vitres. Alors, surtout en plus, tu as de grandes vitres. Mais ce chiffon, regarde, l'argument de choc, argument choc, fou malade, c'est que ce chiffon... Ah, j'utilise du sopalin aussi. Ah, argument encore mieux. Argument de choc. Tu lui dis, écoute bébou. Pour faire les vitres, je passe un demi-rouleau de sopalin. C'est énorme, un demi-rouleau de sopalin. Mais regarde. Grâce à ce produit... Attendez, hop là, on va le refaire. On va faire ça propre. Et coucou Icusb. Putain, j'arrive jamais à prononcer ton pseudo, ça fait du fou. Icusb. Non, c'est Dadou. Ouais, ça sent déjà le scavé. Coucou le Dante, comment ça va? Wesh le Dante. C'est Icusb, ça se prononce Icusb, c'est ça? Alors non, ça... Bon sang, où est mon sel? Alors c'est pas du scam, non. Ce n'est pas du scam. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du scam. Ce n'est pas du scam, alors... Alors, où est-il? Où est ce son? Je ne l'ai plus.
Je ne l'ai plus. Ça se prononce comme tu le sens en vrai. Tu veux savoir, tu le prononces de la même manière que moi. Ah, Ecusb. Prononce pas son pseudo, il porte malheur. Aïe aïe, il porte malheur. Aïe aïe aïe. Mais pourquoi tu me marques? Pourquoi il marque ancien utilisateur du chat? Mais j'en fous. Ouais. T'es ancien utilisateur du chat, t'es un utilisateur tout court. Tu es un follower, tu fais partie de la commu chevelue. Attendez que je ressorte le truc là. Putain, j'ai 50 000 trucs. Voilà. Alors, il s'appelle Dadou. Il s'appelle Dadou. Ton compagnon s'appelle Dadou. Et tu vas lui. Bah, on va l'appeler Bébou. On va l'appeler Bébou. Parce que c'est mieux Bébou. Parce que c'est mieux Bébou. Tu vas dire, mais écoute Bébou. Écoute Bébou. J'ai quelque chose à te dire. Tu vas dire, j'ai quelque chose à te dire. J'ai vu le stream de Foals et figure-toi Bébou. Que grâce à Foals et ses bons tuyaux, quand je fais les vitres, je passe un demi-rouleau de sopalin. Mais un demi-rouleau de sopalin, c'est combien? C'est 1 euro et des brouettes. Alors imagine Bébou, imagine combien de euros je dois dépenser pour faire toutes les vitres. Alors que si j'achetais ce super appareil Karcher WV2 Black Edition à seulement 52 euros sur Amazon, et d'ailleurs si vous voulez je peux vous fournir un lien, je peux, attention, faire des économies parce que cette petite lingette elle est belle hein, elle est belle. Eh ben, une fois que j'ai terminé de faire toutes les vitres, je la mets à la machine et ça fait des économies. Oh, ça fait des économies incroyables. Ça fait des économies incroyables. Donc voilà Bébou ou Dadou, voilà ce super appareil qui, attention, il est jaune, mais là, ah, les couleurs sont inversées, incroyable. Franchement, si je ne t'ai pas convaincu, alors je ne sais pas, j'arrête tout. Hein, j'arrête tout, clairement j'arrête tout. Hein. Là vraiment. Quand moi je me suis pas besoin d'interrompre les achats. Mais ça existe pas en plus, c'est les achats sur Twitch. Ça existe pas. Hein. Je vais lancer un concept de téléachat sur Twitch. Et voilà, tu vois, regarde, au lieu de dépenser je ne sais combien d'euros en rouleau de sopalin, boum! C'est quoi? C'est. Allez! 2 euros de machine à laver! 2 euros de machine à laver alors que ton rouleau de sopalin, tu en aurais peut-être passé. Pour, je sais pas moi! 10 euros! 10 euros pour nettoyer les vitres alors que là t'en as pour 2 euros! 2 euros de machine à laver! Ah, incroyable! Incroyable! Alors franchement, ouais. Incroyable! Ah, seulement 52 euros sur Amazon! J'achète! Dentifrice aussi il l'achète. Ah oui, non mais Dent il faut qu'il l'achète. Parce qu'avec toutes les vitres qu'il a, avec toutes les vitres qu'il a, en fait, en fait sa maison, c'est comme les apparts new-yorkais. Sa maison en fait, c'est que des baies vitrées. C'est que des baies vitrées, il est full baies vitrées. Heureusement, Foils me sponsorise, j'ai des objets à l'œil. Et oui, d'ailleurs, heureusement que je sponsorise. Hein, parce qu'il a, il a des objets à l'œil, il a aussi un super porte-éponge. Il a un super porte-éponge fait main. D'ailleurs. Oh! Pardon, hop là. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me faisait penser à un truc. Je me mets à la place. Non, je suis pas parti, je suis là. Je me mets à la place d'Ecusb. Ah oui, Ecusb, il est chez lui. Alors on se met en situation, il faut se mettre en situation là. On a Ecusb chez lui. Comme ça. Et comme ça. Hein. Et Ecusb comme ça. La pause.
je me mets en situation, voilà. Il va se mettre en situation. Voilà, on a Icusb. C'est véridique, hein. Il est comme ça. Face un petit peu dubitative, face à son écran. Un peu stylé, un peu... Il cherche quelque chose. Et à ce moment-là, il se dit, merde. Je réfléchis à quelque chose, je me dis, merde, il manque un truc. Il manque quelque chose sur le bord de mon évier. Elle est plus ou moins cet air face à mon écran. Voilà, exactement, elle est ce même air. Et là... Heureusement, non, qu'il n'y a pas Findus. Mais heureusement qu'il regarde le stream de Fouals. Parce que là, il se dit... je voudrais bien avoir un super porte-éponge pour porter mon éponge. Et c'est là que Fouals intervient. Parce que oui, je l'ai fait pour Dante. Mais incroyable, mais vrai, Icusb. Regarde, tu peux avoir ce magnifique porte-éponge création. Faites main, bien sûr, un porte-éponge Homer Simpson. Regarde, grâce à sa petite grille aérodynamique qui ne retient pas l'eau et qui peut l'évacuer grâce au petit robinet qui est ici, le petit chouchou incroyable. Ce petit chouchou qui fait justement couler toute l'eau accumulée de ton éponge. Parce que tu peux même essorer aussi ton éponge. T'as plus, et hop, ça fait essorer l'éponge. Et en plus de ça, ça fait super design, ça fait super stylé sur le bord de ton évier. Franchement, si ça, c'est pas incroyable. Franchement, voilà, franchement, on ne nous remerciera jamais assez. Télé à Fouals. Je me disais bien qu'il manquait un porte-éponge Homer Simpson. Voilà. C'est fou, c'est incroyable. Oh, je suis parti chercher des popcorn à la couleur et Rodizix. Quoi, tu veux des popcorn aussi? Attends, je vais aller chercher. C'est fou. Incroyable. C'est incroyable. Si vous avez des problèmes, si vous voulez des solutions, n'hésitez pas. Hein, j'ai la solution. Depuis que j'ai importé Ponjo Homer Simpson, ma vie a changé du tout au tout. Voilà, merci Dante. Merci pour ton témoignage. Ça fait chaud au cœur. Voilà, donc tu vois, Icusb, si jamais tu veux justement changer ta vie, changer absolument tout. Et à avoir un rayon de soleil traverser la vitre nettoyée d'une main de maître grâce au Karcher WV2. Ah ben n'hésite pas à commander un magnifique porte-éponge Homer Simpson qui changera, je suis persuadé, il changera ta vie du tout au tout comme ça a changé la vie de Dante. Je pleure de rire. Voilà, alors qu'est-ce que... Voilà, alors... C'est fou, tout ce qu'on peut vous proposer pour justement changer vos vies. Heureusement. Par contre, une éponge verte. Si vous voulez aussi du succès sur Twitch et auprès des femmes, n'hésitez pas à commander chez Paul. Exactement. Pas du succès sur Twitch, mais également sur YouTube, mais aussi auprès des femmes, des hommes, de tout, hein, des personnes qui ne sont ni masculins ni féminins, parce qu'il y en a aussi, hein, même les robots aussi, ça marche aussi sur les robots. Et pourtant au début ça partait mal, j'étais dubitatif, hein, mais des fois elle m'enlevait tous mes doutes. Ah. Pour faire le buisson derrière. Ah ! Quoi ? Mais Icusb, comment oses-tu douter de la fonction première de ce porte-éponge ? Mais enfin, Icusb, comment oses-tu ? Grâce aux éponges de n'importe quelle marque, que ce soit Lidl, que ce soit Casino, que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où il y a une face qui gratte, attention, regarde, la magie opère, incroyable, l'illusion est parfaite, regarde-moi ça, c'est magnifique, c'est super beau, et en plus de ça, l'éponge rentre parfaitement, mais comment un
Comment as-tu osé douter de l'efficacité de ce produit miracle? Oh là là, je suis consterné, c'est fou. Je ne suis pas un vendeur sur Téléshopping de M6. Nous sommes sur le Téléfoils. Quand même, c'est des produits de haute qualité. Oh là là, franchement, je suis soufflé, moi aussi, je suis soufflé. Oh là là, ah, incroyable. Je suis soufflé. Oh là là, elle est bleue ton éponge. Oui, mais elle est bleue. Mais justement, c'est pour montrer que ça marche aussi sur une éponge bleue. Oh Nini, quand même. J'ai un bout de souffle, on se croirait devant l'épisode. T'as vu ça? Attends, j'ai la Fox qui m'appelle là. Ah. Allô? Allô, Madrony? Oui. Quoi? Comment ça? J'ai pas d'accord. Tu es pas d'accord? Ah, parce que je l'ai pas signé, ma grenier. Ah, mais ça t'inquiète, je peux le signer au petit stylo. Ah, sinon tu le trouves cool. T'en mets combien de côté? T'en mets 20. Quoi, c'est tout? Ah, non, 2000. Ah, 2000. Bon, bah ça marche. Bon, bah ça roule. Je te fais des bisous. Des bisous, toutou. Ah, excusez-moi, c'était Matt Groening au téléphone. Il veut que je lui en mette 2 millions. Oh là, incroyable, hein. C'est cette vente. Cette vente incroyable. Fou. Je sais pas vous, mais il fait chaud. J'ai chaud. Je suis sec. Je suis sec. J'ai la gorge toute sèche. Je ne sais pas vous, mais vraiment. Qu'est-ce qu'on se désaltère grâce à cette bouteille SodaStream. Incroyable. Ce contenant magnifique peut contenir du liquide. Mais pas n'importe quel liquide. C'est de l'eau. C'est de l'eau incroyable. C'est de l'eau. Et regardez la condensation sur cette bouteille. À quel point... Justement, elle conserve la fraîcheur et grâce à ça, je suis désaltéré et je suis tout rafraîchi. Et alors, attendez, ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres fonctionnalités, mais c'est des fonctionnalités cachées que je ne peux encore vous divulguer. Oh là là, franchement, il s'arrête plus. À moins de 1,99€, j'ai oublié de préciser le prix. Ouais, incroyable. Oui, à moins de 1,99€, c'est vrai. Cette eau équivaut à 10 centimes. Regarde Dadou. Pour désaltérer Nini, une eau à 99 centimes. Incroyable, dans un contenant. Conçu pour, c'est formidable. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Hein. Tu répares pas une moto, toi? Ah, Dante, si, c'est un réparateur de moto. Ah bah oui, le prix. J'avais oublié le prix, je suis mauvais vendeur. On a la SodaStream, Foil. Ah, mais est-ce que vous savez tout sur la SodaStream? Est-ce que vous savez absolument tout sur les fonctionnalités cachées de la SodaStream? Et des fois, sa bouteille d'eau. Voilà, Akira, il a l'eau de Sagaro. Nous, on a l'eau de Bar-le-Duc. Il fait mal au huc, mais encore mieux parce que l'eau de Bar-le-Duc est dégueulasse, mais on a l'eau de la SodaStream. Ah oui, eh oui, et voilà. Et voilà, c'est l'eau plus plus.
Ah, on a gagné des 50 énergies. Alors, il faut qu'on invoque 3 champions. Oh, on y est presque, hein. On y est presque. Allez, on récupère la moula. On récupère notre argent. Quel argent? Ce serait du bon argent, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? N'oublie pas PayPal Red 2023. Oh putain, oui, PayPal Red 2023, c'est vrai. On va essayer. Alors, on va essayer le code. PayPal Red 2023. Oh, mais putain, ça marche pas. Putain, les scammers. Encore du scam. On s'est encore fait scammer la gueule. Tu veux un tip? Ça va peut-être gazeuse. Ton ouf. Alors Nini, tu travailles pour un téléachat concurrent ou comment ça se passe? Game Geek Spring, on va essayer. Attention Nini, hein. Merde, hop. Game Geek Spring. Ah, let's go! Merci! Let's go! Allez! Oh non, on va avoir un champion. Non, avec toi, Fouach. Ouais. Attention, hein. Ah non, merde, c'était pas ça. Je croyais que c'était la fiole, je croyais que c'était un champion. En fait, pas du tout, c'est une fiole de... qui sert à je sais pas quoi. Alors du coup, on a gagné un truc, là. Ah, let's go. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Anti-déflagration réduite de 5% des dégâts reçus par les attaques de zone. Ouais, ça peut être pas mal. La valeur des buffs de bouclier lancés par ce champion. Est-ce qu'il fait du bouclier, lui, le dévot? Réduction d'attaque, augmentation de def. Il fait une augmentation de def. Donc ouais, je pense, bouclier. Ah non, il fait pas, c'est la def. Mais non, je t'ai pas oublié. On va faire ça. On va faire les dégâts de zone. De toute façon, au pire, on en a encore 30. Alors, chaque round, première fois qu'un ennemi est tué. Valeur des soins, il lance pas de soins. Par contre, ça, on va prendre ça. Voilà. À nous deux. Alors, lui, c'est un champion basé sur l'attaque. Alors, là, hop, plus 75 d'attaque. Je vais lui mettre la défense, ouais. 75 de def. Voilà. Moins de 5% de dégâts infligés lorsque tu attaques en ayant tous tes PV. Ouais, ça c'est pas mal. Dégâts critiques 10%. Augmente de 25% des dégâts infligés. Un buff de bouclier, ça oui. Brise bouclier. Je veux bien. Et j'ai plus assez de parchemin. Compétences perfectionnées, ouais. Compétences perfectionnées, je n'ai toujours pas de. De petits anneaux. C'est pas grave. On va faire tac donjon. Du coup, on va faire un petit. Pour gagner des trucs là. Ah, on a du rouge. Ah, let's go, coffre de novice. Let's go. Alors on va se faire un petit boss. On a 32k. Donc si je mets là, c'est 32 aussi. Si je mets Basilic elle, ça fait 31. C'est de la merde. Si je mets lui, ça fait 32. Allez, let's go. Let's go. Je prends mes artefacts donjon de dragon. Ouais, on va faire ça. T'as raison. Je suis fort bien désaltéré par cette eau incroyable. Quelle eau désaltérante. Cette eau qui provient du robinet. Non, malheureusement, je n'ai pas. Je n'ai pas, mais sinon... Non, je n'ai malheureusement pas de robinet à proposer.
Comment t'as fait pour avoir deux récompenses? Je sais pas, j'ai cliqué, j'ai double cliqué. J'ai double cliqué. Tu sais, Tizix, j'ai double cliqué grâce à... Grâce à un appareil, un périphérique que tu branches sur ton ordinateur, que l'on appelle souris, mais pas n'importe quelle souris, Tizix. C'est la Logitech G Pro Super Light, incroyable, qui est d'ailleurs grâce à son clic super rapide. Clac 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 clac. Oh, j'ai fait un clic plus rapide que l'éclair. C'est tellement rapide que vous ne l'avez pas vu. Sa molette, regardez sa molette, elle est super aérodynamique. Et en plus de ça, elle est sans fil, incroyable. Bien sûr, c'est une souris sans fil, mais qui bénéficie d'une autonomie incroyable. Je l'ai chargée il y a à peu près 5 minutes et je suis déjà à 20% de batterie. Incroyable, non, je rigole. Ça fait 4-5 jours que je l'ai chargée. Je suis à 85%. Elle est à 85%. Voilà, l'autonomie moyenne est à peu près d'une à deux semaines. Facile, très rapide, très facile à configurer cette souris. Et c'est également aussi disponible sur Amazon. Incroyable, oh là là. Et en plus de ça, on a infligé 823 dégâts. Allez, ça recommence. Pardon, mais c'était trop bon. on a dépassé le joueur 125 à 811 659 qui a mis que 36k. Aïe aïe aïe, on dirait ma connexion internet. J'ai plus de clés pour le boss. Et moi j'ai mis 823k. Énorme. Vous voulez savoir comment j'ai fait pour mettre autant de dégâts? Non, je vais pas le refaire. Alors, on va farmer le dragon un petit peu. L'antre du dragon. On va essayer. On va se faire. Ah, celle-là, elle va être chou. Hein. Celle-là va être chou. L'étape 9, elle va être chou. Hein. J'en peux plus de toi. Attends, c'est que le début. Non, j'ai pas fini. Hein. Ouais, c'est pas fini. Hein. Comme dirait la dame des SFR, et c'est pas fini. J'ai envie de tenter le... Oh non, mais pas comme ça, non, pas avec cette équipe, hein, clairement pas. On va faire ça. On va mettre... si je mets lui, ça fait 32k. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais mettre celui-là. Comme il est neutre, il va taper dans le neutre. On va tenter comme ça. Attendez que je réfléchisse à de nouveaux produits à vous présenter, hein, monsieur. Mais ça peut être pas mal, hein. C'est vrai, un téléachat sur Twitch, ça pourrait être assez rigolo. Un concept de téléachat. Ouais, j'avoue. Hein. Donc à voir, mais il faut qu'il y ait le... Faut qu'il y ait les gens derrière. Le micro. Oh oui. Très bonne idée ça. Vous connaissez le micro? Vous connaissez le Shure SM7B? Vous voulez que je vous le présente? Je croyais avoir vu le pire. Mais je vais tomber sur quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Ah bon? Ah, celui-là, je peux vous le présenter, mais le truc, c'est que... C'est que le micro... Faut l'acheter en bundle. Allez, présente-le-nous, quoi.
Ah, il faut que je réfléchisse. Oh, pas trop longtemps non plus, hein, mais... Oh, ça fait mal. Hein. Oh, le dragon 60. J'aurais essayé, hein, mais j'ai clairement pas le level. Bah, c'est bien, c'est quand même, on gagne un petit peu de récompense. On gagne aussi un petit peu d'XP, mais... On va rester à notre humble niveau. Hein. Voilà, le niveau 50, c'est très bien. Est-ce que vous êtes à la recherche justement de périphériques sonores? De la plus haute qualité. Est-ce que vous recherchez un périphérique qui vous permet d'avoir un bon son? Parce que oui, un bon son pour un stream, c'est la plus, c'est la chose la plus importante. Vous pouvez avoir une connexion internet de merde. Vous pouvez avoir une qualité dégueulasse d'image. Mais le plus important pour un stream, ça reste bien évidemment le son. Et le son, quoi, rien de mieux que le Shure SM7B. Incroyable, ce micro au design magnifique, on dirait presque un micro de radio, parce que c'est un micro de radio. Et oui, incroyable micro que vous pouvez accrocher sur, attention, sur un bras de micro Rode. Incroyable ce bras de micro Rode que vous pouvez accrocher sur un bureau Ikea. Mais je n'en fais pas la publicité, je ne suis pas là pour vous présenter ceci aujourd'hui. Nous vous présentons ce superbe micro à la particularité au connectique XLR. Et pour brancher votre micro XLR, il vous faut bien sûr une table de... Attention, là vous m'entendez, parce que c'est la magnifique Go XLR que je ne peux pas vous présenter, parce que sinon je suis obligé de tout tirer, je vais tirer tous les câbles. Mais cette Go XLR, table de mixage, qui va vous permettre justement de pouvoir travailler avec le Shure M77B d'une valeur de 400€, exactement, ce micro d'une valeur de 400€ et la table de mixage d'une valeur d'à peu près 400€ sur Amazon, un bundle que je suis capable de vous faire à, accrochez-vous, 799€. Franchement, alors là, ce bon plan, ça vaut tous les bons plans du monde. Et incroyable, on a gagné un niveau. Magnifique, hein. Magnifique. Et en plus de ça, on a gagné et on a gagné un niveau. Incroyable. Allez, on va se le refaire. Non, pas la pub, hein. Quel super prix. Ah, quel super prix, hein. Ça, c'est un prix... C'est un prix qui défie toute concurrence, là, vraiment. Voilà, c'est comme Mammouth qui écrase les prix. Ben, Poil, il lui écrase les proutes. Voilà, là, franchement, c'est top of the top. Oh! J'ai oublié de vous présenter un truc. On est là pour abattre la concurrence, exactement. Je suis en train de réfléchir à un truc que je ne vous ai pas présenté. Ah, je suis de retour. On a quasiment terminé le dragon, donc ça c'est cool. C'est bien, si on avance, on a toujours pas de héros morts. Ah bah si, on en a deux, on en a trois, on en a quatre. Et on a un cinquième qui va crever. Voilà. Et bonjour Ilid. Et merci pour le raid. Et tu arrives pour la défaite. Aïe aïe, comment s'est passé ton live? J'ai vu que t'étais sur Call of Duty, comment s'est passé ton live? Et bienvenue. Installez-vous confortablement.
installez-vous confortablement, parce que justement, on était en train de parler, on était en train de vanter les mérites de bon nombre de produits. Et bonjour, Sauron du Chaos. Et j'étais justement en train de vanter les mérites de cette magnifique bouteille. Son live, c'était le carbage. Aïe, aïe, aïe. On a bien ri. Ah. J'étais justement en train de vanter les mérites de cette bouteille. Mais regardez cette bouteille. Oh là là, elle a un problème. Elle a un petit problème. Elle a un problème. Elle a un problème de condensation. Elle a un problème de condensation, cette bouteille. Puisque regardez. Oh là là. Toute cette condensation. Ça va salir votre bureau. Ça va faire une auréole dégueulasse sur votre bureau. Mais grâce au téléfoils, il a la solution. Car, eh oui, je vous propose ce magnifique sous-verre. Sous-verre avec la gueule de Foils, incroyable. C'est le sous-verre officiel de la chaîne. Et grâce à ce sous-verre de la chaîne, qui, attention, a été artisanalement fait, bien évidemment. Attention, regardez. Il peut aisément accueillir votre bouteille. Oh là là, et si ça c'est pas magnifique. Et en plus de ça, certes il est en bois, mais il est verni, ce qui justement le protège. Oh là 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 là, franchement, regardez, hop. Et voilà, et du coup, plus de traces d'auréoles sur votre bureau. Oh là là, et ce sous-verre magnifique, bien sûr, avec ma gueule, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Vous êtes offert pour la modique somme, attention, pour la modique somme de 15,99€ TTC. Ah, incroyable. Et attention, 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 attention. Et moins 30% avec le code promo Dante Puducul. Voilà. Donc n'hésitez pas, dans la limite des stocks disponibles, bien évidemment. Oh là là, ah. Moi je dis allez, feu, hein, feu. Je dis feu, hein, franchement, ouf. Ridid, elle va le prendre. Elle va prendre par palette. Aïe, aïe. N'oublie pas le code, hein, le code promo, moins 30%, moins 30%. Hein. Si tu rentres dans te pue du cul, tu as moins 30% en code promo. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, quelle réduction. Ah, bah oui. Ouh, je suis hâte de goûter, m'occuper des enfants. Bon, là, bon, ça marche, Ridid. Bon goûter et bon courage. On lui fait un plus 30% à elle. Aïe, aïe, aïe. Alors je rappelle bien sûr que ce live n'est absolument pas sponsorisé, hein. Je ne suis pas sponsor par Red, hein. Là, aujourd'hui je ne suis pas sponsor, c'est un live par plaisir. Des bisous Reddit. Voilà, aujourd'hui ce n'est pas un live sponsor. Bon, il y a des lives sponsors sur Red, on avait fait d'ailleurs un live sponsor Red, il s'était très bien passé, mais non, là aujourd'hui ce n'est pas du tout un sponsor de Red. D'où aussi la promotion de produits, hein, voilà, hein, comme ça au moins on fait les promos. On essaie de tout sponsor comme on peut, hein, voilà. On essaie de gagner de l'argent comme on peut, hein. Non, voilà, non, c'est pas du tout un live sponsor, mais non, j'apprécie énormément Red Shadow Legend en fait. Et je trouve, comme je disais lors du live sponsor, je trouve ça dommage qu'il ait une mauvaise presse due au bourrage de crâne qu'on se bouffe sur YouTube avec à coup de Shadow Legend, etc., de publicité. À chaque fois on se bouffe des pubs pour ce jeu. Et je trouve ça dommage qu'il empathise au final d'une mauvaise presse, puisqu'en fait il est... J'allais le tuer. Il allait crever. Mais c'est quoi ce scam? Il allait crever! Mais je suis pas d'accord! Donc je disais qu'il souffre d'une mauvaise presse alors qu'il est pas mal, il est vachement cool. Il est vachement agréable parce que là, voilà, on met le combat en mode auto. On le met en mode auto, voilà, les PNJ jouent pour nous. C'est vachement cool et puis nous on gère, voilà, on gère l'XP, on gère tout le reste. Eux ils gèrent, on va dire, les combats, puis nous on gère tout le reste. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est... De quoi donc Tizix? C'est quoi ça? Non, ne me faites pas dire c'est quoi. Parce que vous allez dire c'est Fur. On connaît les bails, hein.
Ah, et merci pour le SO. Tout ça a marché. Ah. Alors, Ridid qui est imposteur. Ah, mais c'est Vivrou! Ah, mais t'as tué Vivrou! Oh! T'as tué Vivrou! Quoi? Bah, ouais, je comprends pas, ouais. Ah, ouais, là c'est normal, mais qu'il soit pas mort, mais je comprends pas non plus. Oh, t'as tué Vivrou, Ridid! Aïe aïe aïe. Bah ouais, mais c'est pas normal qu'il soit pas mort. Bon là, c'est normal. J'avais plus de vie. C'est pas le streamer qui ferait des SO. J'ai des modos pour ça. Est-ce que tu as suivi la publicité pour le super dessous de verre, Dante? Il y a une super promo en ce moment. Hein. Il y a une super promotion avec un code promo. Encore une promo. Eh oui, eh oui, eh oui, une promo sur ce super de t'es pire que si. Eh oui, mais attention, si on rentre, alors c'est une code promo qui donne moins 30%. Si on rentre assez rapidement dans te plus du cul, tu as moins 30% sur ta commande de dessous de verre false VD. Ah ça franchement ça c'est de la promo hein. Albatar. Après Albator, voici Albatar. Ah, je suis pire que Steam moi. Ah, non, je suis pire. Voilà, et là il est mort. Pam 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 pam. Allez, on va se remettre un petit coup de dragon là. Ah là là, ouais non, moi je suis pire que Steam en promo. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme promo? Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire comme promo là? C'est bonne question. Raison, enfin. Raison logique, et t'as un code promo pour la fibre. Alors oui, j'ai un code promo pour la fibre, c'est poil cela dans le cul. T'as poil cela dans le cul. Tu as une super promo pour la fibre, tu l'as à 5€ par mois pendant un an. Au lieu de 30€. Ah non, je ferai pas de promotion sur les cigarettes électroniques. Hein, c'est logique. Toujours pas de news. Pas encore. Je vais les appeler la semaine prochaine. Je vais les appeler la semaine pro. Je pense que ça fera bien. Ça fera écho. Ça fera écho à ça. J'appelle Bouygues Télécom aussi parce que là ils ont augmenté le tarif là, chez mes grands-parents. C'est vrai que je les appelle là pour renégocier le contrat. Pam palalam pam pam. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme potion? Alors les potions. Alors les potions, mais ça améliore. En fait, ça améliore votre personnage. Et en fait, voilà, vous avez des potions par rapport à la couleur. Donc là, le vert, c'est pour les personnages verts. Le bleu pour les personnages bleus. Et le rouge pour les personnages rouges. Et ça, c'est pour les personnages violets, bien évidemment. Et en fait, il faut coupler les potions avec une potion blanche. Voilà, d'où ces couleurs de potions. Donc là, les trois sont fermés. On peut faire un petit peu le donjon du néant. Pour tenter d'avoir des super potions là pour notre ami du néant là. Bah, 32K, ça devrait être gérable. Avec une puissance d'attaque un petit peu plus améliorée. Super explication, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, si jamais vous souhaitez jouer à Red Shadow Legends, voilà, je me fais un plaisir de vous expliquer un petit peu à quoi correspondent certaines choses.
Voilà, ce tacle de dentifrice, aïe aïe aïe. Ah, je me suis taclé aussi, hein. Je me suis aussi taclé Nini. Mais on s'aime bien. C'est pour ça qu'on se tacle. Je tacle gentil. Ah non, mais oui, non, mais la TGS, ça va être infernal. Hein. Ou arène après, yes, on va aller faire de l'arène après, ouais. Ah non, mais la TGS, oh, ça va être rock'n'roll. Hein. Rock'n'roll de chez rock'n'roll. Hein. Ben voilà, zéro mort. Impeccable. Oh, mais j'ai gagné une mousse. J'ai gagné une bière. Allez, on refait un petit coup là. Moi, je veux gagner une potion, je veux pas gagner de la bière. J'en fous de la bière, pas Saint-Patrick. Nous, si on ne ferait pas 2 heures de route ensemble, c'est vrai. C'est vrai, frère. D'ailleurs, Dante, il faudra qu'on voie comment. Je viens vendredi soir, c'est ça? Ouais, je viens vendredi. Oui, je viens vendredi soir. Je viens chez toi vendredi soir. Et après on décolle samedi matin ou comment ça marche? C'est de la folie la TGSAM, c'est de la folie. Alors j'espère qu'il fera chaud. Parce qu'honnêtement dans le costume de Sailor Foils. Alors déjà je vais transpirer. Ah bah il est mort, bon bah parfait. Je vais transpirer comme un phoque à l'intérieur, mais surtout, rendez-vous à 10h30 à la TGS. Oh la vache. Oh putain. Surtout que je vais pouvoir mettre un short sous la... Il y a la mini-jupe, et sous la mini-jupe, je vais mettre un short. Je vais pas mettre un pantalon, j'ai pas envie de mettre un pantalon, quoi. Je vais mettre un short. Comme ça au moins... Ça sera plus cool. Pas pour le moment. Oh merde. Alors il y a aussi du PVP, hein, comme on peut le voir, il y a du PVP. Et ce qui s'appelle de l'arène. Dans l'arène, en fait, on peut affronter des joueurs, on peut sélectionner des joueurs. Donc lui, par exemple, Styx, je paye un jeton, parce que vous avez dit 10 jetons par jour. On paye un jeton, et voilà, et on va se battre contre son équipe. Et on va lui mettre la rouste. Quoique des fois, c'est très surprenant, hein. Deux persos comme ça, tu peux te faire laminer la gueule. Ça m'est déjà arrivé. Accès de confiance, je me suis fait défoncer l'anus. Il faut regarder les puissances d'équipe, en fait, le petit secret c'est ça, c'est regarder vraiment la puissance d'équipe. Et la comparer à votre équipe. Donc là par exemple, la 24K, nous on est à 26K. C'est pas beaucoup. Si je l'enlève et que je mets lui, ça fait 26. Ça fait toujours 26 et ça fait toujours 26. Ok, donc on voit, elle a 2 héros bleus, un rouge, un vert. Équilibré, 2 verts, un rouge, 2 verts. 2 bleus, un vert, un rouge. 24, 26, ça risque d'être un petit peu chaud. Hein. Mais après, il faut voir les compétences des adversaires. Ça peut faire très mal. Donc déjà, là, je suis dans le mal. Oh putain, ça va. Ça va, je vais défoncer la gueule. Mais là, voilà. Évidemment. Je le sentais mal, hein. Je le sentais mal. J'ai dit ouh. Au final, ça, on est bien revenu. On l'a eu. Oh, lui, ce héros, il est insane. Le chevalier, là. Le chevalier squelette. Là, je sais plus comment il s'appelle, ce con de chevalier, là. Le chevalier suprême. Oh, il est insane. S'il place un buff bouclier et un buff soin continu de 15% sur tous les alliés pendant 2 tours. Déjà ça super chiant. Attaque un ennemi, donc pour cette 30% de chance de placer un debuff provocation. Et en plus ça fait comme un rat, ça c'est chiant ça. Réduction d'attaque et peur. Donc ça va être turbo casse-couille avec lui en face. Et let's go. On va tenter. Tentons le coup, on va voir. En tout cas, j'espère qu'il fera chaud. J'espère qu'il fera chaud.
quitte à suer dans le costume de Sailor Falls. J'ai hésité à en recommander un autre de Sailor Falls, mais il arrivera jamais à temps. Donc du coup je vais faire avec. C'est un petit peu le barreau d'honneur. Je vais essayer un petit peu de maigrir pour rentrer un petit peu. Normalement je rentre toujours dans le costume, mais je vais quand même essayer un petit peu de maigrir. Mais il avait un trou au niveau du gant. Enfin c'est un peu insane. Mais j'aurais dû jouer le scam, hein. J'aurais dû jouer le scam en disant ah ben on avait dit que c'était à 20 subs et nous sommes à 19. Mais comme j'ai dit, à 20 subs on le fera et on a eu les 20 subs. On a eu les 20 subs, il y a juste quelqu'un qui a pas renouvelé son sub du mois. Et du coup on est tombé à 19, donc du coup on s'est quand même validé. Le sub goal est validé. Je ne scam pas. Je suis bon joueur, je vous accorde le Sailor Falls à la TGS. Bon, c'est passé, c'était chaud mais c'est passé. Et là ça nous permet justement de gagner des compos pour gagner de l'équipement. Et en plus de ça, on gagne des places sur le tournoi, parce que chaque jour, chaque semaine, il y a des tournois. Donc ça aussi, ça nous permet justement de gagner du loot. Et bim, hop là, on augmente le taux de crit. Non, franchement, il est vachement agréable ce jeu, vraiment agréable. Vraiment agréable, tu peux passer un bon moment. Bon petit moment. Hop là, t'es à 18k. Allez, on se les fait tous, hein, on les balaye. C'est bien le PVP, ça permet aussi d'avoir un aperçu sur différents champions. Et c'est grâce au PVP que j'ai découvert la chamane. Et je me suis dit, putain, ce perso, je le veux. Il me le faut. La chamane, il me la faut. C'est un perso qui raise. Putain, c'est insane. Ah lui, ah, il mord de rire. Un perso. Niveau 1, allez hop. Allez hop, ça c'est fait. Ça me fait mal. Ça me fait mal de faire ce genre de truc. Ça me fait mal, putain, c'est écœurant. C'est comme si tu attendais dans une école primaire pour taper des petits. Arrive, 28k, non, j'y arriverai pas. En sachant qu'il y a une chamane en face. Une chamane et Yaronda. Ça fait mal. 21k, ça peut passer. Après le reste, à 28, au-delà de mon level, ça passera pas. On le fera, mais je vais perdre. Ça a bien joué. Heureusement que j'ai une double attaque. Pam palalam pam pam. Alors, on voit quand même les équipes, elles sont assez équilibrées. On va l'essayer. Je vais me faire rouler dessus. On va me rouler sur le cul. Je vais tester les comptes des gens de VR. Ah ouais? Ah, je savais pas ça qu'on pouvait tester. Non, je lui roule dessus. Oh, incroyable. Mais je pensais que j'allais perdre. Hein. Je pensais que j'allais perdre. Là, j'ai les deux. Mais je vais me faire défoncer l'anus. Elle m'inspire absolument pas. Lui, ça peut peut-être passer. On va voir. On va essayer. Ils ont des jolis skins, hein. Il y en a qui ont des jolis skins. Ouais, voilà, je meurs. Ah. Oh la vache. Voilà, du coup je perds des points d'arène, du coup je perds en classement.
Alors tu m'as dit que tu... je peux tester les comptes des gens. Alors, déjà on va récupérer les... on va récupérer les récompenses. J'ai pas encore... j'ai pas encore les trucs là. J'ai pas de portail. Là, j'ai tournoi. Ça c'est bien. Et comment on peut tester en VR de VR? Comment on peut tester ça? Ah, let's go. J'ai des trucs à récupérer. Tournoi de l'araignée. On va prendre un cours. Là, j'ai rien à récupérer. Tournoi de champion. J'ai rien à récupérer. Comment on fait pour faire ça? On va dans les arènes, je clique sur le... Compte des gens de mort, mais t'inquiète, pas besoin de me prêter ton compte, t'inquiète. Comment on fait? Comment ça marche ça? Donc voilà, ça c'est ma défense. Voilà, défense plutôt bonne, je trouve. Je peux pas récupérer un coffre. Moi, j'ai pas de platine, évidemment. Ah, là, j'ai perdu. En attaque, ok. Tac, on actualise. Voilà. En plus, j'utilise un jeton. Donc, comment on fait tu pourrais tester les comptes des... Ah, les comptes des gens. Et si comme moi vous êtes complètement aveugle, si comme moi vous voilà, hein, vous mongolisez des yeux, vous avez des super lunettes. Alors voilà, ces lunettes de marque Tom Ford, made in Italy, de superbes factures, un petit peu sales en soi, que vous pouvez nettoyer grâce au super Karcher je ne sais plus quoi. Et bien grâce à ces lunettes, attention, attention, attention. Incroyable, j'arrive à lire le chat. Incroyable, j'arrive à lire. Et voilà, et oui, on peut tester les comptes des gens. Ah. Oh putain, voilà. Oh là là, et heureusement. Heureusement que... Nous avons ce genre de produit. Ah putain, ça repart. J'ai mal lu. Ouais, on pourrait tester. Je pourrais tester les comptes des Wells, mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. D'un point de vue éthique, ça me gêne un petit peu de tester les comptes. De tester les comptes. Ah bah j'ai plus de points d'arène. Alors du coup c'est quoi le Discord? Alors le Discord, tac, hop. Mais tu es déjà sur Discord, non? Ou tu n'y es pas sur le Discord? Du coup j'ai créé un channel exprès Red Shadow Legend sur ce Discord. Et nous avons aussi le Discord de la pizza. Pour avoir tous les univers de vos streamers préférés. Ah ça c'est pas... Si ça c'est pas incroyable. Si ça c'est pas incroyable, comme dirait Akira, incroyable. On va mettre lui et elle en champion. Je vais essayer de faire des étoiles. Termine étape, aucune perte. Deux champions moins, aucune perte. On va essayer de faire en 3 étoiles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Le lien de la commu chevelue ne marche pas? Bah si, il marche le lien de la commu chevelue. Ah bon? Attends, je vais essayer de t'en donner un autre. La commu chevelue. Oh putain, elle est morte. Aïe aïe aïe. Alors, la commu chevelue. Tac. Amuser les gens. Voilà, hop. Ah, bon, il marche pas. D'accord. Ah, essaye celui-là. Ah, mais c'est le même. Discord me scam. Est-ce que tu arrives... En fait, tu cliques dessus, ça t'envoie bien sur le Discord ou pas? Après, il faut accepter les règles. Non plus. Bon. Alors, on va refaire un lien. Ça. Tac, essaye avec ce lien. Ah, mais c'est le même. Mais sous de ma gueule la Discord. Didi, tu sous de ma gueule. Tu fous de ma gueule, Discord. Tac, alors, OBS. Voilà. Et c'est celui-là. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il a marché? Ta ta da 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 la la. Alors après mon pseudo, c'est... Si c'est mal fait ce truc sur Discord. Tac. Voilà. Hop. Alors, on va changer. On soit un peu plus. On a 13, on a 14K. 12K, 13K, 13. On a 14K. On peut essayer comme ça. On peut essayer comme ça. Ça peut peut-être passer. Passera pas, hein. Pour moi ça passera pas. Après c'est bien, ça nous permet de gagner de l'XP pour elle, mais c'était un gage. C'est marrant, je vais regarder ça. Yes, je viens de recevoir la notif. Tac. Voilà, attends, du coup je vais pouvoir t'inviter.
Sur les serveurs, tac, inviter des gens. Voilà, je t'invite sur ça et je t'invite sur la pizza aussi. Comme ça, tu as les deux. Voilà. Hello, hop. Alors, c'était quoi le gage hein, c'est le pseudo ou c'est la photo? Oh, le chien n'est pas beau. J'espère que c'est pas ton chien. Sinon, là, boum, bonjour, voici le plat. Et je me suis vautré dedans. Les deux, ah. Donc les deux, donc le pseudo et la photo, c'était un gage. C'est ça, ou la photo, c'est ton chien. Oh merde, là, bonjour, je vais me planter. Alors, ton IP de raid. Ah, mais après, faut tout rentrer, ouais, c'est le bordel. Après, faut tout rentrer, ouais, c'est le bordel. Pam, 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 pam. Hop. Mais c'est facile. Quoi de rentrer? Je t'écrase, c'est bon, oui. Ah, super, je chante guerre. Ah ouais. Let's go, la survécu. Du coup, faut changer la. Ah, faut que je me découvre, c'est du bordel. Comment on se déco? Comment on fait pour se déco? Tac, on récupère. Là, c'est quoi ça? La moula? On va faire ça. Tac. Un profil en bas. Ok. Un profil en bas. Ça, je suis en bas. En fait, il faut que je quitte le jeu. Tac, je récupère ça. Tac, donc attends, il faut que je change du coup de. C'est un profil en bas. Ça, je suis sur Plarion, je suis sur le launcher là, sur le Plarion launcher.
Copie ton IP. D'accord. Il faut que j'en mette le truc. En fait, il faut que je copie l'IP, c'est ça? C'est là dans info et je copie l'IP, c'est ça? On va faire ça. Je crois en fait ça marche pas, je clique dessus, ça marche pas. Y a rien qui fait. Juste copier l'idée, mais ouais non. Non oh, pousse pas, laisse tomber. Pas grave. Hein. C'est pas trop grave. Hein. On va se faire du coup. On va se faire des petits. On va se faire des petits bons. Des petits donjons. On va se faire un petit peu de loot. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit peu de potion. Là, la potion, il m'en faut. Il me faudrait de la magic potion. Parce que du coup, là, il faut qu'on prépare du coup les prochains donjons là, les prochains donjons qui vont arriver. Et là, il nous faut de la potion neutre. Parce que, comme j'ai expliqué, en fait, ça marche par duo. Une potion de couleur et une potion neutre pour pouvoir monter des toiles. Plus votre perso a des étoiles, mieux c'est. Et plus il a des étoiles que vous transformez en étoiles violettes, et ça augmente encore plus sa puissance. Donc c'est vachement important. Ça c'est des importantes, c'est des choses capitales à augmenter. D'où aussi le farming, c'est beaucoup de farming. Mais après, si vous n'avez pas envie de farming, bah voilà, vous avez toujours la possibilité d'acheter. Hein, le jeu vous propose aussi d'acheter. Je ne ferai pas ce coup-là. Mais voilà, vous avez aussi la possibilité d'acheter des achats in-game pour justement augmenter, pour améliorer vos personnages sans devoir passer par la case de farming. Un petit peu pareil aussi pour la version XP. Vous avez la possibilité sans passer par la case de farming simulator, quoi. Mais sinon, easy peasy, vous pouvez tranquillement monter de vos personnages sans devoir passer par la caisse, hein, y a aucun problème. Mais non, je pensais pas que ce jeu allait être hyper addictif. Je pensais pas me prendre vraiment autant au jeu. Ouais, c'est le cas de le dire. Alors, on va préparer un petit peu, on va commencer à regarder qui est en live. Qui est en live, nous avons le doc. On va voir vers qui je peux vous envoyer après. On a le doc qui fait un live, à moins qu'il soit en pause. Le doc et ses pauses, c'est une énorme histoire. Encore en pause. Bon, Doc et Deck, encore en pause. Pam pararam pam pam. Alors, choix d'étape, nous sommes sur étape 9. Ah, étape 10, c'est un niveau 60, quoi. Énorme. On va refaire niveau 50. Niveau 50, ça va, on est à peu près stable. On essaiera un niveau 60, mais niveau 60, je passerai pas. Je passerai pas. En sachant que j'ai 2 40 et 3 50, ça passera jamais. Il faut savoir que là, le boss est au niveau 50. On est face quand même du niveau 50. Donc là, niveau 60, c'est une autre paire de manches. Ça va, quel poison. C'est vrai que le poison, au final, nous sauve vraiment les miches.
ce niveau là. J'ai un pourcentage aussi pour dispel justement les tout ce qui est maladie, tout ce qui est fait néfaste. Mais par contre à côté de ça, c'est vrai que grâce à KL on peut appliquer du poison et ça c'est vachement cool. Vachement cool. Une équipe composée de KL et de la chamane qui permet de res. Là, je prends l'exemple de la chamane, hein, mais ça pourrait être n'importe quel personnage à partir du moment où il y a un res derrière. C'est bon quoi. C'est bon là, c'est le feu. C'est le feu. Bon, ça passe. Ça passe. Allez, on va tester niveau 60. 6 étoiles. 6 étoiles violées. Ça va faire mal. Déjà sur les petits ads là, ça fait mal. J'ose imaginer la suite. Un petit éclair. Allez, c'est parti. Niveau 60. Niveau 60, attention. Ça m'enlève un quart de ma vie. Juste une attaque de sa part m'enlève un quart de ma vie. Ça va faire très mal. Bon bah voilà. Même pas en piégeable. C'est même pas envisageable, niveau 1 c'est même pas envisageable. En l'état, c'est même pas envisageable. Bam papapapam bam papapapam. Là ça passe. Là ça va passer aussi. Oui, il y en a un qui a eu l'archevêque Pintroy. Je connais pas. Ça a l'air cool. Je connais pas. Ouais, des flags, bien sûr. Savoine, hein, Savoine, Savoine la pivoine. On essaie quand même de mettre quelques petites bastos. Hein. Ça va passer, ça va passer. En soi, ça va passer. Clairement, ça va passer. Il y en a un qui peut résister, c'est Donkey Kong, vu la vie. Voilà. Nickel. On a eu qu'une mort au final. Ouais, c'est bien. On farme de la potion, ça c'est très bien. Il faut savoir que sur Ronda et sur Donkey Kong, à savoir des personnages légendaires, il nous faut de la potion max plus plus. C'est-à-dire vous avez trois niveaux de potion. Vous avez la potion de base, vous avez la potion médium et vous avez la potion max. Pour obtenir une potion médium, il faut 10 petites potions. Une fois que vous avez ces 10 petites potions, vous pouvez obtenir une potion moyenne. Pour obtenir une potion max, il faut 10 potions moyennes. Donc grosso modo, voilà, vous faites le calcul. Et ça vous donne un petit aperçu du nombre de potions qu'il vous faut pour justement améliorer vos personnages. Voilà. Donc après c'est sûr que c'est tentant d'acheter une potion, enfin des potions, pas une potion mais d'acheter des potions au magasin, c'est clair que, voilà, hein, de passer à la caisse, c'est clair que c'est quand même tentant, mais en soi c'est faisable, hein. En soi vous pouvez le faire. Ça prendra beaucoup plus de temps bien évidemment. Après ce jeu c'est vraiment un gacha où vraiment voilà, vous obtenez un cristal, c'est au petit bonheur à chance, vous allez obtenir des persos. Soit vous allez avoir des super persos, soit vous allez avoir des persos qui vont puer du fiac. Ça dépend un petit peu
un petit peu de votre chance, c'est au petit bonheur à chance. Mais vachement super intéressant quoi, le jeu. Franchement, super, super cool. Je passe de très très bons moments dessus. C'est très très agréable. Puis ce qui est pratique, c'est ça, c'est de pouvoir discuter avec vous. On peut prendre justement le temps de discuter. On le met en auto, on se prend pas la tête. On peut même faire le con comme on a fait, comme on a fait les cons tout à l'heure avec les produits du télé-shopping. Voilà, on peut se permettre. On peut se permettre ce genre de choses qu'on ne peut pas avoir en temps normal sur certains jeux. Sur certains jeux, il faut qu'on soit, là. Il faut qu'on ait la concentration sur telle ou telle chose. Il faut qu'on ait la main sur telle ou telle chose. Là, on le laisse faire, on le laisse gérer. On les laisse faire leur vie. Et puis c'est bien, comme je vous disais, hein, voilà, ça vous empêche pas. Vous envoyez le combat, vous envoyez en multi-bataille. Allez, c'est parti, let's go. Vous faites ce que vous avez à faire. Puis eux, ils font le boulot. Eux, ils font la petite popote. Hein, et ils font le petit farming, ils font le petit truc là, tranquille et mille. Et vous, vous n'avez rien à faire. On se soucie de rien, on les laisse faire, on les laisse gérer. Vraiment, vous avez vu la session de jeu, on est quand même à 2h, on est à plus de 2h de jeu, en sachant quand même que j'ai joué à peu près 30 minutes ce matin également. On n'est jamais vraiment arrêté, ne serait-ce que par l'énergie ou quoi que ce soit. Il y a toujours des missions, il y a toujours des quêtes qui vous redonnent de l'énergie. Il y a toujours des trucs qui vous redonnent de l'énergie. Que ce soit de l'énergie ou de la moula. Donc on n'est jamais freiné par ça. On n'est jamais vraiment freiné par ça. Si ce n'est que sur le multibataille, vous en avez 30 par jour. Vous en avez 30 par jour, point barre. Voilà. Sauf si vous en achetez, bien évidemment. Mais sinon, en soi, sans rien acheter, le jeu vous donne toutes les possibilités pour pouvoir passer du temps dessus sans aucun problème. C'est pas un Farmville ou une connerie comme ça où à un moment donné, t'as plus de temps de jeu quoi. Tu l'as dans le cul. Ou alors il faut attendre 24 heures. Ah non. C'est rapide. C'est nickel. Alors, on fait le dernier petit combat. Et puis après, on va aller voir le doc. On va aller voir notre bon doc Elec. Voilà, histoire de finir sur une victoire. Moi, je veux finir sur une victoire. Je ne pars pas tant qu'on n'a pas eu de victoire. Si c'est une défaite, on relance. Je veux une victoire. Je veux qu'on termine sur une belle note. Une note victorieuse. Une note qui sent bon la victoire là, qui sent bon la gagne. Allez, bim bam boum là. De la bagarre. La bonne grosse bagarre là. Voilà. Oh, voilà. Je me suis retenu de bailler. il est sorti très très loin celui-là. Et voilà la bonne bagarre. Alors on va récupérer nos dotations là. On a des petits loot à récupérer. Pas du tout. Aïe aïe aïe. On n'a rien à récupérer. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Tac. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. C'était sympa. C'était vachement cool le petit live. Petit live assez. Assez cool, assez sympa, sans trop prise de tête sur Red Shadow Legend, comme d'habitude. Hein. On passe un bon moment. Est-ce que le doc est toujours en live? Que je ne fasse pas le raid pour rien. Il est toujours là. Allez, let's go. Allez, hop, on va faire un petit raid sur Doc Elec. Let's go. Voilà. Bah nous, on se retrouve dès demain, ici même, 19h30 par là. Hein, le temps bien sûr de rentrer, etc. pour la suite sur Pokémon Donjon Mystère. Donc ça va être beaucoup de farming. Voilà. Grosso modo, un aperçu de la semaine prochaine. Concrètement, ce sera comme cette semaine.
Sauf que vendredi, il n'y aura pas de live car je serai chez le Dante. Samedi, il y aura un live sauvage, mais on sera à la TGS, donc peut-être un live IRL, justement à la TGS. Et dimanche, pas de live parce que je ferai le chemin retour pour rentrer à la maison. Voilà un petit aperçu. De toute façon, tout va être sur le Discord. Tout sera sur le Discord, mais également sur le Discord de la pizza. Allez, let's go chez le doc, c'est Foils, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. Un bon dimanche, merci. Des bisous, à demain 19h30. La bise, ciao ciao.